Putain, dans ce jeu, même aller pisser, c'est flippant, quoi. J'ai masse boss, tu veux faire quelque chose. Ok, donc salut à tous, c'est Aaron et je suis de nouveau avec Monsieur Tips Wempy. Yo, les gens. Et on se retrouve... Ah putain, il y a plein d'oiseaux là, barrez-vous. C'est pas chez vous, wesh. Je veux pas de ça chez moi. Et du coup, on se retrouve pour le troisième épisode de Don't Starve. Exactement. Voilà, et aujourd'hui, on va essayer d'avancer un petit peu plus que la dernière fois. Et du coup, la phrase, j'y ai pensé. Ah oui, la phrase, j'ai failli oublier. La phrase, du coup, je viens d'annoncer, et donc ça me donne 10 minutes avant la fin du monde, un japonais avale le sonotone de sa grand-mère 42 fois en tout. Waouh! Aucun sens. T'es les courageux, le mec. Hein. Il est courageux. Aucun sens. Mais c'est pas grave. Je vais faire quand même une bûche. Oh, mec, j'ai 20 pétales, on va pouvoir faire 20 merdes avec les cochons. Attends, du coup, je fais le programme de demain. Moi, je vais aller trader avec les cochons. Je ok, toi, tu vas trader avec les cochons, et moi, il faut toujours des araignées, hein, mec. Mais parce que j'en ai vu au top, genre un peu à l'est. Et ouais, mais le problème des araignées, c'est que genre même si t'en tues plein, t'as du mal à loot des toiles d'araignées. Le problème, il est là. Attends, on en a que deux pour l'instant. Bon. Allez, go. Combien il m'en faut? Ouf, mais j'ai 9 de bouffe. Hop, le petit demi-tour. J'ai tout mis dans les frigos. Ça marche. T'as fait des meatballs ou quoi pendant la nuit? Non. J'en ai pas fait. Et les tiennes. Alors, donc là, il me faudrait un piège à oiseaux et un filet. Donc en tout, il me faut 6... Je crois que j'ai jamais été aussi bien niveau folie, je suis à 190. Je suis au max de ma jauge. Ah ouais? Ah, je suis trop d'art. Mais mec, tu sais qu'on peut déjà faire une ruche, hein. On a assez de ressources pour faire une ruche. Ah putain, en plus, le téléporté, il arrive là. Bah, tu sais quoi, demain, tu viens avec moi. Et on va buter de la guêpe. Ouais, on fait ça. Moi, je suis en train de train une base, burst. De la guêpe ride. Non, s'il te plaît, arrête. C'est pas drôle. Non. Ah. C'est malheureux, mais c'est pas drôle. Yeah. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit drôle, hein, franchement. Ouais, bah, moi aussi, mais bon. Ah merde, il y a les chiens qui arrivent. Ah ouais? Ouais, il y a les chiens. Mon mec, il a dit, did you hear that? Ton mec, j'ai tellement chaté. Genre, j'ai voulu cliquer sur le mec pour lui passer de la merde, tu sais. Enfin, pour lui passer des fleurs, tu vois. Ouais. Et genre, j'ai mis slick et j'ai fait un clic gauche. Oh non. Coup, genre, j'ai lui mettre un coup, tu vois. Et genre, il l'a dodge. Il a avancé pile au bon moment. Oh putain. Coup, mec, je t'aurais buté. Bah, du coup, viens, on reste à côté des cochons pour les chiens. Mais c'est cher parce que tu vois, ça nous gâche une journée en fait. Et je crois que cette nuit c'est la pleine lune. Hein. Du coup, faudra aller chercher le gloomer. Vas-y, venez les gars, on vous attend. Vas-y. Moi je ramasse les merdes derrière. C'est tellement beau. Moi je ramasse ces merdes. Ah, ouf, connard. Spam le de ouf. Bien ah, t'as posé le truc. Ah, t'as fait le tapé, mec. Deux fois, mec. Qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Il est caché derrière l'arbre, mec. Ah, tu les entends, les chiens? Par contre, ouais, viens, on va à gauche parce qu'à gauche, il y a plein de. T'as fais gaffe. Sur moi, là ouais. Ah, mec. Ah, bah regarde, il mange automatiquement. Ouais, mais il en a mangé qu'un. Ouais. Bon, les chiens, ils arrivent. Hein. Ah, là, il y a une trace de pas du coup, l'éléphant. Faudra qu'on aille le tuer. Ah, c'est bon, ils sont là. Il a fait gaffe, Vas-y, viens, on va les aider un peu. À lui casser la gueule. Eh, il est vraiment d'or ce village, hein, n'empêche. Genre, le nombre de cochons qu'il y a. On est tellement protégés avec eux. Ouais. Vas-y, tourne. Vas-y, ramasse avant qu'il la mange. Parce que les cochons, ils vont les manger. On est des enculés quand même. On profite tellement d'eux. Alors. Ah, du coup, ça nous a un peu gâché une journée, hein, par contre. Bah, on a de la merde, quoi. Mais à part ça. Ouais. Du coup, on va faire quoi tout ça? Ah oui. Bah, des fermes. Des fermes. Ça monte à tout ce qu'il te faut, toi? Regarde, mec, viens à l'ouest, un tout petit peu. Regarde ça. Ouais, j'avais vu sur la minimap ça. T'as déjà vu autant? Non. D'habitude ils font ça mais avec des B. Tu vois, j'aurais préféré qu'ils mettent des B. Vas-y, moi j'en ai 40, je te laisse.
Je vais poser la merde dans les coffres. Hop là. Qu'est-ce qu'on va faire? Les petits marteaux. Je crois que pour le... Ah non, pour le marteau, il n'y a pas besoin de la machine. Ah mec, faudrait qu'on commence à se faire des cœurs. Au cas où il y en a un qui meurt. Bah moi je suis full life du coup, faudrait peut-être. Bah il nous faut des spider glands et je crois qu'on en a... Ah si, on en a un. Tu veux passer de la bouffe s'il te plaît? Bah j'ai rien, hein. J'ai juste des... Tiens, j'ai de la viande de monstre si tu veux. Non, je veux juste un vegetable. Enfin un légume. Ah tiens, prends pas une carotte ou un prends truc. Les carottes, tiens. Merci. Ah ouais putain, c'est de la dèche là. Ou alors t'as tout pris sur toi mais... Non, j'ai rien sur moi. Attends, je vais te faire une petite recette maison. 2 secondes, je vais voir sur internet. Passe la viande de monstre avant. Elle est dans le frigo. Je regarde juste sur internet. Je vais te faire le petit sandwich aux cuisses de grenouille là. Tu vas kiffer ta race. Après. Après, ouais. Pourquoi tu mets de la glace au frigo, mec? À part le fait que tu sois un putain de génie, Bah ça va parce que quoi? ça se périme. La glace? Ouais, ça se périme. C'est quoi ce jeu? Bah ça fond quoi. Bah si, c'est logique hein. Tiens, c'est pour toi. Ah merci. Attends, là je vais faire un petit truc. Tu peux me filer un légume s'il te plaît? Un légume, je l'ai rangé. Tiens, mais il y en a 36 en fait, mais. Vas-y, merci. Non, non, c'est pas un légume ça. Ça marche pas? Non, non, ça c'est un fruit. Comme toi. Tiens, c'est un légume ça? Ouais, merci. Voilà. Ah, on va y voir, qu'est-ce que ça me donnait? Tiens, donc Rien. faut toujours avoir le Molette? réflexe de J'ai essayé remettre de dans les viser la frigos. molette sur Don't Starve. Hein. Ouais. C'est énorme. On peut zoomer, on peut dézoomer. Zoom à fond, genre c'est trop stylé. Ouais. Là, si ça renverse un peu comme si c'était. Ouais, c'est pas mal. Ah, Ah, c'est ça trop y est, bien. mec, on peut faire une ferme. Vas-y, je fais une ferme. Vas-y, moi j'attends que ça cuisine. On va les faire. On se dépêche, le crackpot, on On se va les dépêche. faire là. Et du coup, on plante Elle met 10 une intercepts. petite truc. Ouais, ça met un peu de temps à cuisiner. Est-ce que j'ai du bois? Voilà, c'est bon, hein. Vas-y. Oh, qu'est-ce que c'est que ceci? Et quelle est cette beauté? Attends, je vais t'en faire un deuxième. Vas-y, prends-le. Hein. Et je peux manger? Ouais, vas-y. Ça remet. Enfin, c'est pas. C'est pas ouf, tu vois, mais genre, ça remet pas mal de vie et ça remet Bon, un peu de bouffe ça m'a quand même. juste fait un tiers de ma vie, quoi. Ouais, en termes de vie, tu gagnes 20 HP et 37,5 de bouffe. Donc, c'est pas dégueu. Il manque quoi pour faire un cœur? Ah, bah, c'est bon. Bah, tu sais quoi, je fais un cœur. Donc voilà, vous avez vu en gros quand je fais un cœur Si pour tu veux. animer quelqu'un, bah ça me bousille 40 HP. Mec, essaye de. Si la molette du bas, tu la fais à fond et genre tu rentres dans les nuages. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. C'est des barres. Je viens de découvrir ça donc je m'amuse. Du coup, nous on prépare toujours des petits cœurs d'avance si jamais il y a quelqu'un qui crève. Ouais, c'est toujours pratique. Si, ouais, si jamais c'est la crise, bah on a déjà un cœur de T'as un préparé. sandwich pour toi, si tu veux. Ouais, vas-y. Ok, du coup, viens demain, on va faire la ruche. Ça marche. Je vais fabriquer le petit filet des familles. Des pétales, on va les ranger. Hein? Un pétale, des pétaux. Bien sûr. Voilà, j'ai mon petit filet, je suis content. Viens, faut aller au téléporteur. Ah merde, mais c'est quel téléporteur? Ah, c'est celui à droite, c'est celui à droite. Sûr. Ouais, parce qu'il y en a un à gauche aussi, mais je sais pas où il va. Regarde mon perso qui pète un câble. J'utilise la souris donc je peux pas faire ça. Sais pas, moi je préfère le clavier. Oh, je Tu sais sais, pas. tu fais barre espace pour faire. Non, bon, non, viens, c'est là. Pour ramasser des items, genre si t'as plein d'items à côté, t'appuies sur barre espace, ça ramasse tout, c'est trop pratique. Non mais oui, ça par contre, tu vois, genre les raccords du clavier, je les utilise, mais sinon je n'utilise que la souris. Allez, let's go. Voilà.
Ça ramène bien au même endroit. Ouais, c'est bon. Ok, donc là, je capture cette sale bête. Moi, je vais. Ok. Oh là là, quel sniper. Ah, elle m'attaque même pas. Comment ça se fait? Normalement, elle m'attaque là. Putain, il y en a une troisième. D'habitude. Ah merde. Ok. Moi je vais les bait et toi tu vas. Vas-y, toi tu vas péter la ruche. Là, il y en a que deux. C'est quoi cette ruche? C'est quoi cette ruche d'amateur là? Voilà. Vas-y, prends tout. Ramasse tout. Hop là, nickel. Vas-y, maintenant, il me manque une guêpe et c'est déjà bon. Après, il faudrait que je capture des papillons aussi. Oh, il y a plein de bevres, là. Ah, c'est bon, elle est là, la guêpe. Hop là, nickel. C'est bon. Entre la guêpe et les abeilles. Entre la guêpe et quoi? Entre la guêpe et les abeilles. Putain, je commence à fatiguer, moi. Ouais, enfin, les guêpes, c'est les rouges et les abeilles, c'est les jaunes, on va dire. Ok, ça change quelque chose, concrètement? Bah, ouais. Enfin, genre, les jaunes, elles sont gentilles, les rouges, elles sont vénères, quoi. Comme d'hab. Donc, les papillons, en gros, quand je les capture, regardez, je peux les planter par terre et ça va planter une fleur. Vous allez me dire, ça sert absolument à rien. Mais en fait. Et vous avez totalement raison. Non, parce que quand on fabrique la ruche, il faut planter des fleurs à côté pour qu'elle puisse butiner, qu'elle puisse fabriquer du miel en fait, les abeilles. C'est pour ça que je prends des papillons. Par contre, le filet il prend très vite cher, regardez. Là, il est déjà à 30 HP. À 30%. Donc bon. Mais c'est bon, on a nos 4 abeilles. Là, on a déjà de quoi faire la ruche. Du coup, viens, on rentre. Il y a de la viande là, genre, je sais pas d'où le sort, mais attends, je sais pas ce que j'ai encore capturé 3 petits papillons. Je peux pas faire, mec, je peux de ça sortir, mais. Comme ça. Ça fait plaisir, écoute. Hop là, allez, encore 2 papillons. Bah là, tu tombes sur un peu de viande. Ça fait toujours plaisir. C'est ça. Ah putain, il y a un papillon qui s'était caché. C'est un gamin. J'ai jump. Allez, plus qu'un papillon et c'est bon. Ouais, santé mentale, j'ai pas pris tant que ça, hein, ça va. Moi, ça va aussi. Fais gaffe. Hein. Tu viens à la base pour faire la ruche. Ouais. Voilà, tu vois, là c'est une bonne journée rentabilisée. On a fait une petite ruche. Ouais, c'était cool. D'habitude, j'y galère beaucoup plus, mais là il y avait plein d'abeilles. Bah, vu qu'on l'a tourné à deux comme ça, c'était cool. Ouais. Alors. La ferme, elle commence à pousser. Ah, je ramasse des fleurs, écoute. Peut-être me faire un petit chapeau. Essaye plutôt de faire de la merde avec les cochons. Là, je fabrique une deuxième ferme. Ouais, c'est trop tard, de toute façon. Tu me files le miel que t'as ramassé, s'il te plaît? Ouais, j'arrive, j'en ai 3. C'est quoi, on va commencer à récolter la glace maintenant parce qu'après elle risque de fondre. Mais fais un thermomètre, mec. Ouais, t'as raison, on va faire un thermomètre. Mais je pense que c'est indispensable en vrai. Bah vas-y, regarde, c'est dans science. Non, c'est pas ce miel là, c'est l'autre. Viens voir. C'est ça que j'ai. Merci, ouais, c'est bon, c'est ça. Du coup, science. Alors, thermomètre. Thermal majeur. Oh, bah c'est tranquille à faire. Ouais, ouais. Du moment qu'on a beaucoup d'or, en fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Et du coup, des planches. Alors, hop. Non. Ah merde. Mec, tu peux me filer des planches ou pas? Ah non, c'est bon, c'est bon. Juste un besoin. C'est bon. Du coup, notre petite ruche, on va la mettre là. Mais c'est où, mec? Tu mets ça sur des frigos? Ouais, tu mets ça un peu à l'écart, que ça prenne pas trop de place, ça sert pas à grand chose. On va le mettre par là, derrière toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc surtout, tu récoltes pas la ruche avant qu'elle est complètement stackée. Parce que sinon, elles vont t'agresser, les abeilles. Et puis quand tu peux placer des fleurs Je te dis, c'est quand tu captures les papillons. Moi, j'ai placé des fleurs sur de la pierre, y'a pas de problème. Ah oui, bah oui, tout à fait normal. J'adore ce jeu. Alors,
Du coup, là, le thermomètre, c'est plutôt froid, non? Ouais. Et les nuits ont l'air de s'allonger un peu. Donc, on va voir. Hop là. Vas-y, on va attendre. On va attendre le lendemain. Mec, j'ai l'impression. Je crois que c'est plus l'hiver. Ouais. J'ai peut-être commencé à faire des pierres. Je pense que j'ai vraiment pas de pierres, moi. Je sais pas si t'en as. Ouais, j'ai 26 de pierres. C'est le truc. Ah ouais, ça devrait aller. Passe les 26. Alors, je vais voir si je peux faire des plaques. Tiens. C'est dans ressources. C'est des cut stone. Ouais, vas-y. T'en fais. Enfin, tu fais deux thermal stone et tu les mets dans les coffres, quoi. C'est où thermal stone après? Ça doit être dans survival. Oh merde, c'est la nuit. Ah, c'est la pleine lune. Vas-y, viens. Non, maintenant. Ouais. Enfin, non, t'as pas besoin de venir en fait. Ça sert à rien. Je vais voir, je vais voir. Tu peux venir si t'as envie, vas-y. Donc voilà, hein, la pleine lune. Avantage. Pas besoin de s'éclairer. Ouais. Pas besoin de lumière. Ça met bien. Les avantages, loup-garou. C'est plutôt embêtant. C'est lui le copain du coup? Ouais, c'est lui le poteau. Voilà, c'est quoi ce truc? Merde, non, attends. C'est quoi ça? Bah, c'est lui le poteau. Et là, regardez, il me suit. Il est gentil. Et là, quand je me colle à lui, ma santé mentale, elle remonte. Ah, j'avoue, mec, c'est génial. Qu'il fasse nuit ou n'importe quoi. Du coup, ça va être super pratique. Et puis, de temps en temps. Dans la map ou je peux en faire un? C'est quoi, faut lui donner une fleur? Ouais, mais je l'ai, la fleur, je peux te la filer et dans ce cas-là, il te suivra, toi. Ok, c'est lui qui a la fleur qui suit. Ouais. Ça et marche. Moi, je cherche des champignons bleus, écoute, j'en profite. Ouais, vas-y. C'est la période. Et du coup, ouais, il crache du savon aussi, mais je sais plus trop quoi c'est ça, j'allais voir sur internet. Ah, il y a un loup-garou. Ah ouais, fais gaffe, c'est des cochons, elle les tue pas. Hein. Ouais, je sais, je sais. Par contre, à partir de maintenant, cette chose va faire des bruits insupportables H24. Et j'espère que vous allez le supporter. Parce que moi, ça fait longtemps que je supporte plus. Ils ont pris une mulchesse pendant combien de temps? Je sais pas, mais là, il fait plus de nuit, t'inquiète. Ah, ça va sur des nuits normales, débarque. Je sais pas si t'as vu la transformation, c'est assez drôle. Non, je crois que j'ai jamais vu. C'est pas mal. Là, il me faut vraiment des toiles d'araignée. Il faut aller en chercher. Ouais, je vais. Ah merde, j'ai pas pris de nourriture. J'espère qu'il y a des petites meatballs en réserve là. Ah, tiens, il y a une citrouille qui a poussé. C'est cool ça. Moi, j'essaie de faire de la bouffe, écoute, parce qu'il n'y a pas grand chose là. Est-ce qu'il y a une meatballs pour moi? Parce que là, je dois partir. Je t'en fais une, t'attends 2 secondes et c'est bon. Ok. Hop. De la bonne viande de monstre, t'aimes ça? Attends, je regarde juste rapidement. Logiquement, on peut faire une recette spéciale avec les citrouilles, je crois. Par contre, ta bouffe avant de mourir de faim. Ouais, ça pue de la merde en fait la recette avec la citrouille. Mais je crois qu'on peut faire un chapeau avec la citrouille qui éclaire ou un truc comme ça. Je vais regarder vite fait. C'est bien prendre pour que je puisse en faire une. Donc quand je bouge... C'est supportable le bruit de cette merde. Ouais. Quand je bouge pas, le plus souvent que c'est que je suis sur internet en train de regarder un truc. Hein. Oh t'inquiète. Survival du coup. Bon bah je regarderai plus tard. Je peux faire un parasol mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Un compas. Non ça sert à rien. Une éolienne. Utilité négative. Une éolienne mec. Ah oui c'est le petit truc... Le petit truc rose? Ouais. Ah, je l'ai fait tout à l'heure, c'est énorme. Mais il faudra le faire pendant l'été. C'est absolument génial. C'est les petits trucs qui tournent avec le vent. Et genre, quand tu cours, ils tournent. Et ça t'empêche de crever de chaud, c'est génial. Alors. Mes petites araignées. Je fais une petite thermal stone, tu veux que je t'en passe? Ouais, je veux bien. Je le mets dans le dernier coffre, c'est utilitaire. Après, tu sais que les thermal stone, elles peuvent même servir pour l'été, hein, logiquement. Absorber la fraîcheur du feu? Ouais, c'est ça. Genre, elles te rafraîchissent après. Survival. Ça demande quoi, le thermal stone? Il me faut une pioche. Et... Ah, il va me manquer un peu de pierre. On va aller en faire. Bon, c'est nice, j'ai une toile d'araignée. Il m'en manque encore 3. Un spider gland. Enfin, j'en aurai jamais assez quoi.
Après, au pire, je peux péter le spawner. Ah, c'est bon, j'en ai une. Après, je peux péter le spawner des araignées pour avoir. Oh merde. Ah, elle est vénère. Allez, dans le piège. Nice. Nice, nice, nice. Oh, nickel, une toile d'araignée en plus. Il m'en manque plus qu'une. J'ai jamais eu autant de chance avec des araignées, quoi. Ah, il y en a plus. Bon, on reviendra plus tard. Tu te rends compte, mec, santé mentale, je suis à 200. J'ai jamais vu ça. Franchement, on est bien dans cette game. Hein. Ça va. Ce qui nous a mis super bien, c'est de trouver très vite les engrenages et juste à côté de la base. Et l'or aussi au début de la partie. Et l'or, ouais, ça nous a mis tellement bien. Quand j'ai vu le filon d'or au début de la partie, je fais ah. Je crois que je vais rester là. Mais tu sais que je vais explorer au nord parce que je pense qu'il y a peut-être des buffalo au nord. On a pas trouvé de buffalo, c'est vrai. Il y a peut-être des chances. Tu sais qu'on a encore de l'or juste en dessous de la base qu'on a pas ramassé. Ah ouais. Tellement on s'en bat les couilles. J'ai peut-être faire une pioche en or, c'est rentable ou pas? Je pense pas perso. J'ai jamais fait, mais j'ai pas trop l'impression. Si c'est pour éviter 2 secondes de taper, je pense pas. Mais peut-être qu'une arme en or, ça peut être pratique. Parce qu'en fait, les buffalo, c'est donc des gros buffles qui habitent dans la savane comme ça, et qui produisent de la merde, mais genre tout le temps. Ah la salope. Allez, tombe dans le piège. Saloperie. Merde, pourquoi elle va pas dans le piège? Il bug mon piège. Ah salope. Hop là, nickel. On a deux thermales. Mec, j'ai les 4 toiles d'araignée. Ah, c'est nickel. Jamais autant de chance. Bon, bah, du coup, je rentre. Moi, j'ai pas de mini-ball. T'as continué à mettre des pièges un peu sur les lapins? Ah, non, c'est pas un bouton. On a de la viande de monstre. Du coup, on peut tenir encore. Mais après, je vais y aller. Là, j'en ai 4 des viandes de monstre. C'est cool. Tu vois, en fait, la viande de monstre, on peut tenir avec ça. Ouais. Et je connais ton talent en meatballs. Du coup, je te laisse t'en charger. Ah, j'en ai encore fait une. T'es le custo en chef des meatballs. Exactement. Ça me passionne dans la vie, j'adore faire des meatballs. Ouais. C'est quoi ce bruit insupportable? En fait, je crois que je vais faire un script qui fait automatiquement des meatballs quand je m'approche. Je pense que ça m'empêche de cliquer à chaque fois. Meatballs ou couilles de viande, comme on les appelle dans le milieu. Clairement. Les couilles de viande. Vas-y, j'arrive. Regardez comme il est mignon, mon petit glomer là. On a encore de quoi faire un cœur au cas où il y a quelqu'un qui crève. Non, ce qui nous manque vraiment là, c'est les peaux de cochon. Hein. Ouais. Là, t'as vraiment qu'on se fasse un casque. Après, moi, j'ai le truc avec le lapin, je peux t'en faire un limite. Ouais, mais non, c'est pas un casque, ça s'attend pas. Non, c'est pas pour ton casque, c'est pour l'hiver. Ouais, voilà, mais c'est pas la même utilité. Genre, il nous faut un truc pour tanker là, ça pas mal. Tiens, j'ai fait quelques meatballs si tu veux. Je te mets ce que j'ai ramené dans les trucs là. Ouais, je veux bien de meatballs. Là. Attends, les trucs à papillon, faut mettre quoi déjà? Faut mettre un légume. Est-ce qu'on a un légume? Ouais. Est-ce que t'as pris une partie à cette merde? Jamais? Ah non, jamais. Mais c'est OP? Ah ouais. Parce qu'en gros ça veut dire full santé mentale n'importe quand en fait. Non parce que c'est genre là tu vois je suis près de lui mais ma santé mentale elle baisse quand même. Faut vraiment que je sois comme ça collé pour que ça remonte. Et genre ça remonte pas énormément. Alors hop là, le petit piège à oiseau qui fait plaisir. Ah mec, je sais ce qui va nous manquer, c'est des papyrus. Merde, t'as un truc? Oh, tranquille. Mec, ce qui va nous manquer c'est des papyrus. T'as trouvé un marécage ou pas? Ah oui, en effet, la santé mentale remonte pas pendant la nuit. T'es sûr? Sinon, c'est réclamé. Ah non. Si, moi elle monte là. Ah ouais? Ouais, non, là elle monte. J'étais vraiment pas assez proche quoi. Mais... Il faut vraiment être collé quoi. Ah ouais, là elle monte, en effet, donc c'est vraiment OP en fait. Ah, c'est bien OP. Par contre, mec, ce qu'il nous faut maintenant, c'est absolument du papyrus pour faire une cage à oiseaux. À oisal. Une cage à oisal. Alors, est-ce que t'as trouvé un marécage ou pas du tout? Pas du tout. Merde. On va acheter des queens. Regarde-moi, moi j'aime bien souffrir, regarde, t'es prêt? Qu'est-ce qu'il y a ce con? J'ai fait un quart. Du coup, on en a deux des cœurs. J'en mets un dans chaque coffre hein, au cas où. Ah. Si jamais il y a un casque qui prend feu, qui se fait foudroyer. Bon. Alors demain, on fait quoi? Je sais pas du tout. Bah, faudra explorer pour trouver des papyrus, hein, en fait. Ouais, moi je pense que je cherche du bois, je me prends de la tête. Attends, où est-ce que je peux explorer? Parce que là sur la map, je vois plus grand chose comme endroit où on peut aller.
Ah si, en bas à droite. Ouais, je vais aller à l'est. Au pire, je vais chercher du Voilà, lapin en manger vrai. ça. Genre, quand ça manque de lapin. Mais attends, là on est jour 12, c'est jour 21, franchement on est large. Ah si, faudrait buter le coalephant après. Ah oui, je me souviens du roman. On a une base. Il y a quoi des Ouais. groupes pendant le jeu? Allez, moi je vais explorer. Ouais, donc le coalephant. Ah bah voilà. Mais mec, à la limite on pourrait le faire maintenant le coalephant. Hein. Pourquoi pas? Quoi qu'on n'a pas les casques. Ouais, non, laisse tomber. Ça passe pas, tu penses? Bah, j'aimerais mieux avoir les casques. Hein. Genre, il est encore plus fort que les chevaliers, je crois. Tu sais que tu peux te battre avec un. C'est quoi le mot en français? Avec une cuisse de jambon? Ouais, bah oui. C'est C'est énorme. génial. J'ai jamais réussi à en avoir une. En plus, si je trouve un marécage, je pourrais nous fabriquer des armes qui sont plus fortes. Ça mettrait bien ça. Ouais, avec des petites tentacules et tout. Et les marécages, c'est tellement une pluie de. Enfin, c'est une mine de ressources. Genre, si tu trouves un spawner d'araignée à côté d'une tentacule, genre ça te stack, mais du loot, mais à l'infini. C'est complètement cheaté. C'est tellement dangereux d'y aller. Ouais. Et genre, tu viens une fois par jour, tu chopes 10 toiles d'araignée, 10 viandes d'araignée, 10 armes. C'est abusé. Après, faut avoir de la chance. Ah, j'espère que je vais en trouver un. D'habitude, c'est pas si rare que ça en plus. Hein. Ça m'étonne qu'on T'as n'ait pas pas encore trouvé de pris toutes les marécage. orangies, mec? Non. Moi, j'en ai 32, mais j'ai les miennes, quoi. Bah, c'est pas dans les coffres. Ouais, Putain, c'est chelou il ça doit parce plus que en les gros avoir. types. Hein. Il doit Bah, plus du en coup, je peux avoir. pas faire trop de pièges. Non, c'est pas grave. On va réussir à cuire du lapin avec ça. Allez, dites-moi que j'ai tombé sur un marécage. Oh mec! Nouveaux engrenages. Y'a un frigo de plus, hein? Putain. Un nouveau chevalier. Nice. Franchement, elle est pas dégueu la map. Hein. Il nous manque pas tant de trucs que ça. Après, j'aimerais bien trouver genre une plantation de cochons, tu vois. Genre où il y a plein de baies, etc. Ça nous mettrait trop bien. Ah oui, il faudrait commencer à déterrer des buissons à baies et à les replanter dans la base. Tu peux te charger de ça, genre pendant que Ouais, tu te là je suis balades? pas à côté, là je suis pas à côté, mais demain je le fais. Genre, à chaque fois que tu te balades, tu vois, si jamais tu vois un buisson, bah tu le déterres, quoi. Je suis en train de Oh chasser. mec, là c'est le paradis des lapins. Moi je suis en amas, hein, là où je suis. Si t'arrives à en choper pas mal, on est bien niveau bouffe pendant un bon moment. Non mais là faut pas que j'essaie de les choper, là faut vraiment que j'explore. Oh, Vas-y. buffalo. Buffalo. C'est vrai? Ouais. Nice. Ça c'est cool ça. Là il y en a trois. Mais je pense qu'il y en a plein autour. Ouais, je suis tombé sur toute une colonie de buffalo. Allez, dis-moi, j'ai le temps de voir celui-là. Magnifique, regardez-moi ça. Donc ils sont pacifiques, hein. Sauf pendant leur période de chaleur. Donc faut faire super gaffe à ça. Là j'ai eu de la chance parce que s'ils étaient dans une période de chaleur, ils m'auraient tous agressé. Oh, marécage en dessous. Oh mais mec. Ah oh, c'est quoi cette partie de fou? Mec, mais c'est magnifique. Juste en dessous des buffalo, t'as un marécage. Faut bien que tu retiennes l'endroit. Ah bah elle est sur ma minimap. Hein. Moi je l'ai pas. Alors, en gros, le biome marécage, donc c'est le truc violet là. Et donc les petites bosses qu'il y a par terre là, c'est des tentacules. Donc c'est vraiment violent comme truc, vous passez à côté, elle sort du sol en fait. Mais pourquoi elle sort pas là? Ah voilà. Il y a du casse sur la gueule. Ah merde, il y a des moustiques en plus. Il y a des moustiques de merde là. Genre, bah voilà, il y a des cochons. Genre des cochons, mais des cochons monstres en fait. Voilà, et voilà pourquoi c'est une mine de ressources en fait. Parce que les tentacules, elles passent leur temps à se fight avec les habitants du marécage. Et du coup, vous avez des ressources partout, partout, partout. Parce qu'ils arrêtent pas de s'entretuer. Et ça, c'est vraiment cheaté. Ouais, ça c'est énorme. Après, vous C'est avez sketchy. les. Là, je suis en train de déterrer, comme vous voyez, les petits buissons à pic là. Parce qu'en fait, Y'a genre mec. ça. Y'a
Ça sert à rien comme truc. Ah bah ça va être l'hiver, je pense. Et genre, en fait, les petits trucs que je déterre, c'est pour mettre dans le feu. C'est pour alimenter le feu, parce que c'est super puissant et ça sert à rien d'autre. Donc voilà. J'utilise toujours ça pour le feu. Est-ce qu'il y a moyen de tuer un moustique? Vas-y, je vais buter un moustique. Du coup, t'as de l'araignée ou pas? Avec ça, on pourra faire des pièges à oiseaux. Des quoi? T'as des toiles d'araignée? Non, je les ai. Enfin, oui. Oui, j'ai fabriqué le piège à oiseaux. Ouais. Ah, nickel. Ah putain, elle me vénère là. Le moustique, j'arrive pas à l'avoir. Par contre, du coup, j'ai le papyrus, j'ai tout ce qu'il fallait. Okay. Je vais juste me faire une torche au cas où. Putain, là-bas. Et du coup, vu que c'est l'hiver qui avance, j'ai fait là. Donc, on a des thermalstones, c'est ça. Putain, il y a des bruits vraiment chelous. Et vous voyez que dans un marécage, faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a des monstres de partout. Et si vous arrêtez sur un mauvais endroit. Parce que les tentacules, elles se voient pas vraiment en fait si on fait pas gaffe. Du coup, si vous arrêtez au mauvais endroit. Et bah... Oh mec! Oh, y a pile ce que je te disais. Il y a un spawner d'araignées et juste à côté, il y a des tentacules. Du coup, ils sont en train de s'entretuer. Oh mec, il y a des ressources partout. Ah, oh, c'est insane. Oh, je vais tout ramasser. Tu sais, je fais le gros chien, je passe derrière, je ramasse tout. C'est comme avec les cochons, tu sais. Oh, mais mec, c'est magnifique. Après, faut que je fasse gaffe à ce qu'elle me pète pas la gueule, la tentacule, mais. Parce que là, je pense qu'elle en a bien envie. Fais gaffe, hein. Je peux venir te chercher. Non, 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 à la mec. Oh mec. Oh là là, le loot, mais il y a du loot, mais de partout. Free game, j'ai envie de dire. En plus, personne m'agresse. Oh, j'ai dodge. J'ai slalomé entre les tentacules, mec. Ah, là, il y en a un qui me chase. Hop là. Ah, il y a la nuit qui tombe par contre. Aïe, 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 aïe. Oh merde, c'est lui. Ah, j'ai pris deux petits coups de tentacule là. Oh mec, je suis jeté. Fais-toi une torche. Genre en fait, je voulais mettre du feu, tu vois. Oh, t'es pas. Oh mec, ça m'a trop fait rire. Genre, t'as encore un spawner d'araignée avec une tentacule à côté, tu vois. Et genre, t'as l'araignée, elle arrive en bas de la tentacule, tu vois, là où il y a tout le loot. Et au lieu de se fight avec la tentacule, genre, elle mange une viande de, elle mange une viande d'araignée qui était par terre. Et elle se fait one shot. Oh mec, c'est tellement bon. Oh non, elle est en train de tout manger. Ah merde. Ah, j'ai le seum. Genre, les araignées, elles avaient réussi à tuer la tentacule. Du coup, il y avait une arme par terre. Mais l'araignée, elle l'a bouffée. Ah merde, je suis deg. C'est pas les couilles. Mec, mais. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle me met cher. Non, franchement, là, je dégage. Vas-y, je dégage. Là, je vais mourir, là. Non, là, je me barre, c'est trop risqué. Ah, j'aurais pas réussi à choper d'armes, dommage. Oh, c'est déjà ça, tout ce que t'as, mec. Ah, mec, tu sais tout ce que j'ai ramassé? J'ai 4 toiles d'araignée, 4 spider glands, des viandes de monstre, j'en ai 5, j'ai un poisson. J'ai de la merde. Ah si si, j'en ai chopé une d'arme. Putain, j'ai même pas vu. J'en ai une. Tu sais, c'est des tentacules. Des bouts de tentacules avec des pics. Là, je vois. Si t'as faim, écoute, je fais pas mal de bouffe. Mais genre, en fait, c'est une lance, mais en plus puissant. Mm. Oh là là, mec. Putain, là, tu vois, je suis content d'avoir été exploré. Là, par rapport à la dernière fois, c'était vraiment rentable. Ouais, c'est bien quand c'est comme ça. Là, franchement, on va se mettre bien pour l'hiver. Tu m'as fait un petit cadeau d'anniversaire. Oh oh. Un petit cache-oreille en lapin. Oh magnifique. Ah mec, ça va être la fin de l'épisode déjà. Ah ouais déjà. Ça passe vite hein. Quand tu joues ouais. Ça passe vite quand on joue à cette merde. Ouais, c'est embêtant. Bon bah je vais rentrer à la maison hein. Mm. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Une fois de plus, j'espère que... Ouais. Que vous appréciez de plus en plus le jeu, parce que là vous commencez à comprendre un petit peu, etc. Et je voulais vous dire, si y a un abonné d'ailleurs, quel jeu ou qui veut acheter le jeu, bah venez avec nous. Hein. Genre le serveur est ouvert, venez carrément avec nous. Hein. Vous venez tourner la vidéo avec nous, vous venez faire la survie avec nous, et c'est carrément open. Pas de soucis les gars. Donc vous pouvez venir, vous nous dites dans les commentaires. En tout cas j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour l'épisode suivant. C'était Aaron et MP. Allez, ciao tout le monde. Ciao les gens.